Ok les patins, nous, belle petite vidéo très rapide. Du coup, pour ceux qui possèdent le clone de Fortnite, après la mise à jour 20.40 qui est aujourd'hui le 17 mai, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour les gars et que vous avez le clone de Fortnite, vous aurez ceci dès que vous serez connecté. Premier truc qu'on a, c'est un nouveau petit écran chargement. J'aime bien, les écrans chargements sont trop stylés. Il est quand même stylé celui-là. Du coup, on voit quoi? On voit une suite d'endroits. Qu'on connaît pas, donc je sais pas, c'est juste une image, donc peut-être qu'il n'y a rien à voir avec les événements futurs. Et du coup, on a un skin de part de combat de saison précédente, et on a une foule de gens derrière. Donc je sais pas s'il y a des skins cachés dans ce petite image. On va pas regarder en détail, les gars, on va pas non plus. Là, vous avez du coup une petite piste médicale, pas mal la musique. Je sais pas ce que vous en pensez de la musique les gars, j'aime bien. Ensuite on a également le petit sac à dos. Bon ça c'est normal hein, vous avez tout l'ensemble du coup du skin. Le sac à dos il s'appelle Electro Counter. Bon, un peu gros comme sac à dos mais après voilà. Par contre la custom du skin est stylée hein. Genre la première custom elle est bien, mais la deuxième, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont la jouer. Ce skin est un peu plus discret dans la neige genre par exemple. Ah ouais, j'aime bien. Et bien sûr vous avez le petit collet bien sûr qui va avec. On voit pas trop parce que l'image est en bas, mais bon. Vous voyez bien à quoi il ressemble. Du coup les gars, si vous avez les petits clubs de Fortnite ou si vous hésitez à le prendre, je vous rappelle encore une fois, les clubs de Fortnite, les skins sont exclusifs. Ensuite vous avez le pass de combat si vous l'avez pas déjà acheté, et si vous l'avez pas, dans tous les cas vous avez 1000 V-Bucks, et ça vous permet, si vous prenez le pass de combat par exemple du mois de mai, le mois de juin vous avez le pass de combat gratuit de la prochaine saison. Donc ça vous coûte rien vraiment les gars. En plus voilà, je trouve que pour 11€ vous avez quand même tout plein de choses hein. Vous avez beaucoup moins de choses quand vous achetez un skin en boutique. C'est mon point de vue les gars. Sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, petit pouce bleu, de vous abonner comme d'habitude. Ok, j'ai deux animations du skin. Du coup bon, c'est pas grave. Et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné les petits potes. Ça fait plaisir à tous ceux qui s'abonnent. Je vous rappelle que l'événement approche et je ferai en vidéo comme d'habitude. Dommage que j'ai pas une meilleure collection les gars, car je ferai en live si j'avais une collection de bâtards. Mais j'ai pas envie de bugger pendant le live, donc voilà. Ce qui fait que je vais faire ça en vidéo. Et si vous avez pas voulu pas voir l'événement de fin de saison, vous inquiétez pas, je ferai ça en vidéo. Il sera sur ma chaîne comme d'habitude. Sur ce, à demain. Ciao bye.